Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4. Vous le voyez sous vos yeux totalement ébahis, nous en sommes à l'épisode 10. On avait bien avancé dans l'épisode 9, on avait même fait, me semble-t-il, compléter le mini-jeu du vendeur. Oui, parce que le vendeur, de temps en temps, il est là, il propose des mini-jeux, tout va bien. Et oh, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Ça là, vous me l'aviez pas dit dans les commentaires, messieurs? Une petite spinelle cachée comme ça dans un œil. Bon, bah on va faire un petit peu plus attention aux yeux de statue. Eh, c'est fou, hein, je l'avais pas vu. Comme quoi, faire une présentation d'épisode, ça apporte toujours du bon. On devait donc continuer notre aventure et on devait passer par ce couloir. Donc c'est parti, Ashley, j'espère que tu es prête. En tout cas, il y a l'air d'y avoir des pièges. You're right? I'm fine, leave me alone! Ashley, wait! Ashley! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Est-ce vraiment une mauvaise nouvelle? Je ne pense pas, bien évidemment. Donc Ashley a été capturée, ça veut dire que je vais me retrouver tout seul. Moi, perso, les gars, je suis content. Hein, je suis content. Si je peux la libérer juste à la fin, moi, ça m'arrange. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Oula. Tiens donc, je me souviens plus du tout de ce passage. Enfin, je me souviens quand elle se fait capturer, je me souviens que j'ai toujours été assez heureux. Mais là, je me souviens plus trop ce qui va se passer. Ok, bah on y va, de toute façon on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce que je vais affronter? Eh bah tiens, l'effet de surprise. On va passer par des égouts peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le petit Salazar là, commence à faire un petit peu son malin, attention quand même. Oh là là, attends. Je me souviens pas du tout de ça. Ok, les égouts. Les égouts, ce que j'ai toujours détesté dans un jeu vidéo, vous le savez, maintenant avec toutes les aventures horrifiques, c'est les égouts. Parce que je... Quoi? Il y a quelque chose qui a couru là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Peut-être j'ai entendu quelque chose courir là. Donc c'est les égouts et les écoles. Les égouts parce que c'est ennuyeux. Et ça fait un peu flipper, je vous avoue. Et les écoles parce que... Ça fait littéralement flipper. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a beaucoup trop d'aller à mon goût. Ok, on va mater la carte. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suppose qu'à droite, il y a quelque chose. Ici, il doit y avoir quelque chose. Hein? Ah, il y a quelque chose. Oh, je vais me faire soulever. J'ai peur. Ok, y'a rien, hein. Je me souviens plus du tout. Merde, c'est fou. Le trou de mémoire absolu, mais réellement... Quoi? Mais je m'en souviens pas, c'est ouf. C'est quoi ces conneries? Damn. Un œil vert. Oh, je m'en souviens pas du... Oh, j'ai totalement oublié qu'on affrontait des gens invisibles. Enfin, des gens. Tout est relatif. Attention à vous, messieurs, quand même. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comme quoi, il aura bien inspiré Resident Evil Révélation 2 et compagnie. Oh. Attends, il vient sur moi, là. J'ai peur. Oh, il est là. Il est là, hein. Ouah! J'ai vu un truc à droite. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
salope, va. Ah, elle est buggée. Elle est buggée. C'est pas mal, ça. Tiens, c'est sympa, ça. Alors, on sait où on habite. Waouh, mais c'est ouf. C'est stylé. À quel point j'avais oublié. Wow. Mamma mia. Here we go again. Ok. Ok, ok, ma petite gueule. Wesh. Il en reste un. Oh, c'est terrible. Par contre, il régale, hein. Il régale en trésor. Je sais pas combien ça vaut. Il lui a fallu 4 ou 5 cartouches. J'étais clairement pas prêt. J'étais clairement pas prêt. C'est vrai que mon pistolet fait plus de dégâts que le pompe. Va falloir que je prenne cette habitude. Ok, ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, on a eu 3 œils verts. On peut continuer. Des yeux triangulaires, au passage, n'est-il pas? Putain, mais c'est un truc de ouf, hein. J'avais totalement zappé ce passage. Oh, damn. Qu'est-ce que c'est encore que... Oh là là. Ah bah tiens, j'ai l'impression de redécouvrir RE4. C'est tellement un plaisir. Wow, 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 tranquille, je rigole, cousin. Quoi? Oh, arrête tes strafes de côté, là. Qu'est-ce que tu fais? Ouah, c'est un truc de ouf. Il court sur les murs et tout. Damn. J'ai entendu... Ah! Je rigole. Oh putain, là je vous avoue, il m'a vraiment fait peur, ce salopard. Quoi? J'ai mis un coup de pied en premier. Mais je vais pas me faire enculer par ça, par des putains d'insectes. Putain. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Nickel. On va y aller au peupon, ma gueule, hein. Sérieux, quoi? Il me fait du... Du coup de foule, bordel. Tu dégages. Sur ma vie. Quoi? Quoi? Oh, pardon. La panique. Non! Oh, il me vomit dessus, fils de pute! Mais... Non! Non! Oh, c'est la mort. C'est la première fois que je meurs, les amis. Oh, la vache! Mais j'étais jamais mort comme ça, tiens. J'étais brûlé à l'acide, c'est terrible. J'étais jamais mort comme ça. C'est fou. J'ai découvert une mort de Léon, comme ça. Bien dégueu comme il faut. Ok, on est reparti, genre vraiment là? Ah oui, d'accord. C'est pas Super Wars de mourir, en fait. C'est pas Super Wars. Bon, bah on y va. On sait ce qui nous attend cette fois-ci. Allez. Meurs. Meurs, saloperie. Et de 1. Ok. Ça serait sympa qu'on me donne des munitions. Bon, je vous avoue que j'ai préféré mourir. Parce que j'étais un petit peu buggé. Lui, il pouvait me sauter dessus à travers la cellule de la prison. Moi, je ne pouvais pas le tuer. Oh, c'est sérieux? Tu me donnes plus de œil? Non, ça, c'est pas cool. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, ça. On les voit même pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Si. Si, si, si. Une balle, ça suffit? Vraiment? Pas mal, ça. Y'en avait pas un autre, y'en avait pas deux. Il est sur le mur, cet enfoiré. Il est parti sur le mur. Ok, je l'ai vu. Il est parti où? Putain, là, ça la recherche du moins de pixels, c'est terrible. Ah. Allez, dégage. Vraiment?
3 balles, monsieur gourmand. Ok, on peut continuer. Ouais, bah là, les gars, j'y vais pas du dos de la cuillère, hein, comme on dit dans le métier. Oh, un œil bleu. Plutôt voir ça. Ça a l'air de valoir un petit peu plus cher, peut-être. Ok. Oh là là, c'est terrible. Là, je vous avoue que c'est le stress. C'est le stress, c'est l'angoisse. Je sais pas trop. Je sais pas trop sur quel pied danser, voyez. Bon, c'est bon, j'ai utilisé quelques balles de snipe, ça fait plaisir. Ça m'a permis d'économiser mes balles de pistolet. On peut continuer. Allez. Hop. Voilà, mon petit pote. Ah ! Oh, putain ! Fais jamais ça. Par contre, il était pas du tout... Putain, mais ils sont relous ! Mais... Non ! Saloperie, me vomis pas dessus ! Ne respecte-moi. Mais... C'est un truc de... Sur ma vie, gros, tu vas être choqué de ce qui t'attend. Alors là, mon pote, on va essayer de combiner, on va utiliser. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? T'es pas mort, là? C'est un truc de ouf. Oh là là, c'est chaud. Et rouge, maintenant. Putain, j'ai tous les yeux, quoi. Cette porte est trop rouillée, impossible de la débloquer, pardon. Bon, il en reste, hein. Il en reste, Miskina. Wesh. Il se passe quoi là-dedans? Apparemment, il est mort récemment. Mais vu sa blessure, la mort a dû être rapide. Il est mort récemment? Mais c'est qui alors? On ne l'a pas vu, dommage. Ok. Il est toujours mort récemment. Il n'y a rien dans les cellules? On ne sait jamais. Nous ne sommes jamais trop prudents. Alors, comment je peux faire pour rentrer là-dedans? D'après vous, messieurs? En tout cas, d'en haut, on ne peut pas. Il y a bien quelque chose. Ah non, il n'y a rien du tout. Ok. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que c'est? Mémo de Louis. Oh là là, 10 pages, il a raconté sa vie. Certains parasites peuvent contrôler leurs hôtes. Les biologistes savent tout cela, mais on ignore comment font les parasites. L'étude spécifique de ces parasites pourrait permettre d'en savoir plus sur les pouvoirs des Plagas. Et peut-être même d'avoir plus de renseignements sur les victimes des Plagas, les Gandos. Voici une liste des parasites qui sont capables de manipuler le comportement de leurs hôtes. Le Dicrocoelium. Très bien. Après avoir migré dans l'œsophage de la fourmi, la larve de ce parasite modifie le comportement de l'insecte. Le soir, quand la température chute, la fourmi infectée grimpe jusqu'en haut de la plante et s'y accroche avec sa mandibule. La fourmi reste jusqu'au petit matin, c'est là qu'elle risque de se faire... dévoré par un herbivore tel qu'un mouton. Elle pourrait croire que le parasite manipule le comportement de l'hôte pour arriver dans le corps de l'hôte final. Très bien. Le galacto... Bon, en fait, c'est les différents types de contamination du parasite. Je vous laisse les lire. Donc, le corps des oiseaux. Donc, on a vécu, je crois qu'on a affronté là les fourmis. L'équivalent des fourmis, je pense. Ok, de couleur vive. Ouais, bouge. Sans cesse comme des vers. Ok. Très bien, bon, ça c'était pour l'étude de la maladie. Alors c'est intéressant si vous avez pris le temps de le lire. Il y a quelqu'un là. J'entends quelqu'un là. Moi on me la fait pas, mon pote. Hein. Passe juste cette porte, cousin. Vas-y. Passe juste cette porte, je t'ai dit. Vas-y. Encore. Et vas-y. Voilà, ça dégage. Ok, il n'y a plus de musique, très bien. Bon bah je vais rester au pont, rien à foutre. On peut continuer. Ah ah ah, il y a quelque chose par ici. Qu'est-ce que c'est? Grenade incendiaire, je prends, c'est pas mal. Ah, j'ai été dans le mal là. J'ai été dans le mal. Et ça c'est triste, ça c'est terrible. Il n'y aurait pas un trésor par hasard? Alors on va regarder s'il n'y a pas un trésor. Je pense qu'à mon avis, devrait y en avoir un. Pas trop loin, une herbe verte les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mais vraiment. Et je crois que j'ai tué celui qui était de l'autre côté de la cellule. Ouais, il n'y a plus la musique. Ok, cette porte est trop rouillée, impossible de la débloquer. Très bien. Aucun moyen de passer dedans non plus. Ok, on continue. Il n'y a plus de musique. Plutôt une bonne nouvelle. Toujours pas de musique. Plutôt une très bonne nouvelle. Ok,
Vas-y, on rentre là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trésor, ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que c'est? Une lanterne. Vous avez obtenu une lampe papillon. C'est pas mal ça, les mecs. Qu'est-ce que... Oh putain, nickel. Oh, je t'ai jamais autant kiffé, ma gueule. Ok, et des herbes rouges au passage. Ça fait bien longtemps qu'on en a pas vu. Hein. Donc combiné. Oh là là, ce passage est horrible en fait. Je m'en rends compte que bien trop tard. Ce passage est juste ignoble, vraiment, les mecs. Ok, j'ai pas mal de balles de pompe, ça c'est plutôt cool. J'ai qu'une seule balle de pistolet, c'est pas cool. Hop, on va foutre ça là. Ok, va falloir que j'utilise mes incendiaires, ça pourrait être pas mal. Oui, on va vidanger l'eau, évidemment, on n'a pas trop le choix sur le coup. Bon, on est mort pour la première fois sans Ashley à nos côtés. Mais bon, je vous avoue que je ne voulais pas utiliser de soins. Je pensais mieux faire la deuxième fois. Au final, ils m'ont mis quand même relativement mal. Ok, c'est fait. 10 contraintes à la sortie. Il va y avoir des problèmes. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est la lampe. C'est la lampe et elle ne cache rien. Waouh, waouh, waouh. Sérieux, là? T'es sérieux, toi? Genre, jure, t'es sérieux? Quoi? T'es où, là? Attends, je le vois pas. Ah ouais, carrément t'es monté sur le plafond. Carrément t'es monté sur le plafond. Ok, ça c'est fait. T'as bien joué, elle. Encore? Putain, c'est pas vrai. Vous venez à l'infini aussi? Vas-y, viens, venez à l'infini, moi. Moi je prends, moi, les gars, les récompenses. Vas-y, fais ton petit sketch là. Vas-y, fais ton petit Spider-Man. Bien joué, t'as réussi à l'esquiver par contre celle-là. Allez. Vas-y, viens. Ouais, intéressant. Comment t'es arrivé à esquiver alors que je t'arrache les jambes quand même? Vas-y, donne-moi maintenant. Voilà. Y'en a d'autres? Venez, hein. Y'a pas de soucis, moi, les potes. Je règle les choses très vite. C'est donc de ça que parlait Lazare mes couilles. Je vais encore me faire violer, je vous le savez, les mecs. Là, 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 c'est... Voilà, allez, hop. C'était sûr. Wow. J'ai peur. Putain! C'est terrible! Vas-y, viens, ma gueule! Ah, tu peux pas sauter, là, hein! Là, on est dans le mal, hein! T'es où, là, par contre? Ah, bah, tu peux me refaire tes petites acrobaties. Allez, reste à terre, tu m'as saoulé. Ok. Là, on continue de ramasser toutes ces conneries, là. Sniper, c'est pas mal. Dis-moi que dedans, il y a quelque chose, un petit truc. Que dalle! C'est terrible! Que dalle! Mais vraiment que dalle! Très bien! On va passer par ici. Ça me rassure qu'il... Ah! Non! Putain! C'est pas vrai! Mais vous êtes trop au-dessus, les mecs! Vous êtes beaucoup trop balèze pour moi, là! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je ne pensais pas m'avouer à moitié vaincu, mais quand même! Ok, on va utiliser un petit peu de la mitraillette, tiens, on va donner un peu de soi-même. Oh, la vache! Oh là là, ça va passer par les... Oh, j'aime pas ça! J'aime tellement pas cette phase de jeu! Ça ne m'inspire pas confiance. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est jamais terminé, mais c'est terrible! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, on est bientôt de retour dans notre salle. Yo! C'est quoi l'embrouille? Oh! Waouh! Bien! Ah, mais ça me ferait chier de mourir comme ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez.
ici tout va bien. Wouh! Ah, ça frottait, hein. Ça frottait, les gars, je l'ai vu, hein. Putain, tout ça pour activer un vieux truc à la con, là. Ce qu'il faut pas faire de nos jours. Putain, quand Ashley va savoir ce que j'ai fait pour sa gueule, elle va me kiffer, je crois. Ok. Par contre, une petite herbe rouge pour me faire un petit remix. Waouh, waouh, waouh. Mais non. Mais lâchez-moi, les mecs. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Ah, je peux quand même utiliser ça. Vous allez tous rentrer là-dedans. Hop, tenez. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Voilà. D'autres volontaires, les potes. Moi, je donne. Je donne, les gars. J'en ai plus rien à foutre. Avec ce que je viens de vivre, je vous le dis très honnêtement, je pense qu'on peut se régaler. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il vous laisse sauver. Mais part pas comme ça. Oh, c'est trop. Alors? Ah, ça, c'est pas cool. Voilà. Partez pas comme ça, les gars. Vous inquiétez pas. Moi, je vais gagner. Ok. Tiens. Donnez-moi. Y a pas de soucis. Je mérite bien. Ok. Ouais, comment on va le tuer celui-là? Tiens, une petite balle de snipe, ça peut être sympa. Comme ça, hop, ça arrache le mec de derrière. Et on n'en parle plus. On est pas mal. On est pas mal, messieurs. Donc le vendeur, je suppose, il a totalement disparu au final. Oui. Il a totalement disparu, un vrai plaisir. Waouh. C'est ouf comme je me souvenais pas de tout ça en fait. C'est bien, c'est sympa. C'est sympa, écoutez, ça me permet de moi-même redécouvrir un peu cet univers, n'est-ce pas? Ok. Donc je suppose que je peux plus aller dans la salle de training. Si. Je suppose qu'il n'y a plus de sauvegarde. Si. Pas mal. Bon, on va sauvegarder. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, bien évidemment. On va continuer. Mais waouh, quand même. Donc c'était par où alors? Je comprends pas. J'ai eu une clé incroyable. Il faisait un rituel chelou. Bah tiens, frérot, bah qu'est-ce que tu fais là? Welcome. D'accord, très bien, pourquoi pas. Ok, on va lui vendre tout ce qu'on a ramassé. Alors les yeux, je crois que œil vert, œil rouge, ça, ça vaut son petit pesant, ça. Putain, l'œil bleu, il m'a régalé. Il m'a régalé. Ok. Is that all straight? On va déjà vendre juste tout ce qui est spinel et compagnie. What are you buying? C'est pas possible, je vais avoir un boss là, ça me paraît trop. Ça me paraît trop chelou. Is that all stranger? Non, j'ai bien envie. Alors je sais qu'on va avoir le striker tout à l'heure, enfin plus tard. Is that all? Donc le striker c'est. C'est fusil à pompe automatique, mais quand même. Mais quand même, j'ai bien envie de l'améliorer celui-ci. J'ai bien envie de l'améliorer. On va revendre 2-3 petits trucs parce que je sais pas ce qui m'attend là. En tout cas, avec cet effet de surprise, je vais en garder juste un au cas où. Il y aura peut-être un objet qui nécessitera d'avoir les 3 yeux de couleurs différentes. Ce que je doute, bien évidemment, mais enfin, on sait jamais. Ok. Is that all straight? Come back anytime. Ouais, come back anytime, come back anytime. Là, ça va chier des bulles, mon pote. Hein. Là, ça va chier des bulles. Et j'ai plus beaucoup de balles. Qu'est-ce que c'est après? C'est un boss? On va peut-être s'arrêter là, non? Quoique, il y a une sauvegarde pas très loin. J'ai des doutes. Une porte comme ça, bien rouge, c'est pas... C'est rarement bon présage. On va voir, écoutez, on va sauvegarder et on va continuer. Si c'est un boss, bah, je le soulève comme jamais. Voilà, parce que j'ai la flemme de refaire les améliorations s'il faut, hein, vous l'aurez compris. Et c'est bien triste que je sois mort. Ah, ça, je suis déçu. Je suis déçu de vous avoir proposé ma première mort que maintenant. J'aurais pensé un petit peu plus tard ou pendant un boss. Mais bon. Qu'est-ce que c'est là-bas?
Oh, sympa ici. Donc c'est plus les égouts, moi ça me va, moi ça me plaît bébé. Qu'est-ce que c'est? Yes? Elle était où l'herbe rouge? J'ai ramassé une herbe rouge, je ne sais où. Ok, herbe rouge, combinée. Oh, je suis presque, presque... il me reste 3 petites jauges de vie, on est pas mal. Quoi? Oh, il y a un boss. Oh, sa mère. Il y a un boss. Mémo du gouverneur. Depuis de longues années, les Salazar dirigent ce château. Cependant, il existe des zones d'ombre dans le passé de ma famille. Il y a bien longtemps, un groupe religieux s'était établi dans cette région. Il s'agissait des Illuminados. D'accord. Donc les Illuminados sont venus après que les Salazar avaient le château. Le premier gouverneur du château leur a retiré leurs droits et privilèges. Je suis fidèle de cette religion et je suis également le 8e gouverneur du château. J'estime qu'il est de mon devoir d'expier ce péché. La meilleure façon de le faire est de rendre ses pouvoirs aux Illuminados. Comme je le pensais, il a fallu un peu de temps, mais nous avons réussi à réanimer les Plagas qui étaient endormis. Cette réussite me rapproche encore plus du retour des Illuminados. J'ai libéré les Plagas des profondeurs de ce château et leur ai donné, et les ai donnés à Lord Saddler. Non seulement pour expier les péchés de mes aïeux, mais aussi parce que j'étais certain que le Lord en ferait bon usage pour sauver le monde. Oh. Sauver ceux qui ont péché en utilisant les pouvoirs des Plagas et laver leurs âmes pour créer un monde sans péché, c'est écrit après avoir été purifié. Ils deviendront l'un des nombreux Guanados et trouveront une raison de vivre. Et une fois que le Lord aura donné naissance au monde qu'il a imaginé, les péchés des Salazar, ma famille, seront expiés. D'accord. C'est pas très... très gentil quand même. Oh, il se passe encore. Il se passe quoi là, les gars, encore? Yo! Quoi? Wouh! J'étais pas prêt! Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en haut. Ah! Non! Non! Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est quoi? C'est terrible! C'est quoi cette pièce? Elle est piégée? J'ai étrangement énormément de petits pois cassés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ah, je t'ai vu, toi, saloperie. Attendez, bougez pas. Viens là, bébé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, 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 je t'ai vu, toi. Il y a beaucoup de monde, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a beaucoup de monde et il y a une cage de catch au milieu. Très bien. Donc, t'es parti rejoindre le mec en rouge qui est parti sur la droite et qui est je ne sais où au final. Super. Super, vous m'aidez bien, les mecs. Je suppose qu'ils sont... ils sont là, non? Vous êtes... mais où vous êtes, les gars? Yo, les frérots, y'a rien derrière un tableau, là, au cas où, là? Putain, ils sont au-dessus, mais où? Impossible de savoir, vraiment. Aucune idée, les mecs. Il y a un trésor à récupérer. Oh, putain, ouais, bébé. Mais vous êtes où? J'ai bien envie de jeter une grenade au pifomètre, mais je comprends pas. Pourquoi vous faites ça, les gars? Faut pas partir aussi loin comme ça. Salut. Vous êtes peut-être là, je sais pas. Et je les entends comme s'ils étaient à côté en plus, ces petits connards. Je les entends comme s'ils étaient juste au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Yo. Putain, en fait, il n'y a pas de son. Attends, je ramasse tout, hein. Moi je me fais des petits plaisirs, les mecs. Ok, d'accord, lui c'est un gars. Putain, mais c'est quoi cet endroit trop chelou, quoi? Vas-y, relève-toi, hein, ma gueule. Hein. Moi j'ai mon temps, hein. T'es en haut de l'escalier, je suis en bas. Perso, moi je suis plutôt bien. Ah bah voilà. Bon, bah c'est super, on a plus de balles.
pensais pas tomber comme ça à rate de balle. Yo, y'a quelqu'un là-dessus? Vous êtes parti où? Mais c'est pas possible! J'ai l'impression que tout le monde se fout de ma gueule! Yo, y'a rien derrière le tableau. Là, y'a rien. Ah, ils sont là. Yes. Et vous êtes bloqués, bande de cons. Vous êtes bloqués et moi, ça me fait chier. Allez, ferme-la. Ah, très bien. Vous êtes juste derrière la porte. C'est con. Alors, on est bloqué, bande de miskina. Bah écoutez, vous savez quoi? Je rentre là-dedans, rien à foutre. Yo les potes, très bien. Et c'est quoi ça? C'est quoi votre problème? Je vais pas courir après un mec en jupe, putain! Gros, j'ai rien à foutre. Voilà, ferme-la. Ok. Toi, là-haut, je sais pas à quoi tu joues, gros, mais j'ai pas de ça. Putain, il court plus vite que... Quoi? Il court plus vite que le visa! C'est quoi ces conneries? Je dois courir après un mec, sérieux? Moi, Leon S. Kennedy? Alias Scott? Oh, trop bien. Ça, ça valait le coup, par contre. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est? Mais à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Attends, parce que 10 contre 1, que ce connard, il est passé par en bas. On va pouvoir descendre par ici. Un vrai plaisir. Yo! Alors, la petite effet de surprise, t'as kiffé ou quoi? Voilà. Ok. Je vois que, messieurs, vous n'êtes pas aptes à coopérer avec moi. Et ça, c'est relou. Tu peux rester à terre? Non? Des coups de couteau, peut-être? T'es super cool, toi. Je t'ai dit de rester à terre. C'est pas cool. C'était quoi ton jeu, là? À quoi tu joues, là? Mais... Dis-moi, à quoi tu joues? Moi, j'ai ma mise. J'ai mon temps. Hop. Voilà. C'est bon? Ah bah, putain. D'accord. En gros, le but, c'était de lui courir après quelques millénaires. Super. Très sympa, en tout cas. Hop, j'ai récupéré des balles de pompe, et ça, c'est un plaisir. Bon, bah... bonne chose de faite. Je lui ai couru après, il a eu ce qu'il voulait. Niveau munitions, ça commence à devenir réellement tendu. Mais bon, pourquoi pas. Yo. Bon, elle va où la clé? Ok, de toute évidence, elle va pas là. Elle va là-haut. Bon, on s'en est plutôt bien sortis, messieurs. Sa petite partie de cache-cache à l'autre, j'ai pas compris. Mis à part vider les munitions. Dis-moi pas qu'il y a un boss, s'il te plaît. Dis-moi pas qu'il y a un boss. S'il te plaît. J'ai peur. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Il y a une sauvegarde de l'autre côté. Yo. Ok. Ça, on ramasse, évidemment. Le petit plaisir. D'accord. Plutôt sympa, cet épisode. Il est long, comme vous voulez, les gars. Hop, on prend. Voilà, c'est un plaisir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça sent le piège. Le sacrifice de Civi apportera une nouvelle lumière. Civi. Ouais. D'accord. Ok, donc faut qu'il y en ait 6 au total. Incroyable. 3, 4... là, on est sur du 7, hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais celui-là, je l'aime bien. Ok. Faut que j'arrive à garder ça. Ok, faut que j'arrive à garder ça aussi.
c'est relou. Les gars, vous êtes lourds, là. Lui, de toute évidence, faut pas qu'il soit comme ça. Ok. Là, on est bon. Faut juste que j'arrive à ce que lui... Waouh, ça commence à être chiant. Ok. Là, on est bon. On est bon. Eh ouais, ma gueule. Putain, les histoires. On fait moi plus d'énigmes comme ça, c'est méga relou. Qu'est-ce que c'est? Oh non! What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Ouais, j'ai perdu l'occasion de fermer ma gueule. Un véritable plaisir. Bon. Je vois pas trop comment... Là, je peux ouvrir. Yo, les gars. C'est bon, ça. On va passer... Oh, très bien. C'est bon, ça, aussi. Ok. Ouais. Ça, c'est pas cool. Mais ça, non plus, c'est pas cool. Bon, de toute évidence, ça s'embrouille de l'autre côté du mur, hein, vous l'aurez compris. Yo! Waouh. Attends, c'est pas très gentil, ça. Ok. Non, mais te baisse pas. Ouais. Ok. Ah, ça, c'est chiant. Genre très chiant. Voilà. Qui d'autre? Personne? D'autres volontaires, les potes? Moi, je veux bien, hein, y a pas de soucis. Je suis plutôt bien ici. Ah, je crois que ça a passé encore par la porte. Je vais les attendre, écoutez. Ça, c'est relou, ça. Hein. Je sais qu'il y avait ça au-dessus, mais... Voilà, je vois pas. Ouais, tiens. Waouh. J'ai réussi grâce à des talents incroyables d'esquiver une flèche. Trop cool. Oh, mais les mecs, jouez le jeu, wesh. Wouh. Wouh. J'étais tellement pas prêt. Ah, par contre, les mecs, ils ont enculé. Avec leur roquette, ils ont enculé tous les mecs. Y'a plus personne. Plutôt une bonne nouvelle. Attends, ils sont rentrés dans leur tableau, là? Genre, réellement? Vous êtes où? C'est sérieux, là? Attends, les mecs à la roquette, ils ont arraché tout le monde. Y'a plus personne. Coucou, les copains. Ok, il y a l'air d'y avoir plus personne. Plutôt une bonne nouvelle, ma foi. Bon, j'ai toujours pas de balles. De pistolet, comme quoi c'est un petit peu chiant. Hop. Ça peut peut-être lâcher des munitions, hein. Non, écoutez, j'y ai cru. Oh, c'est cool, ça. Bon, bah, on va fouiller tout. Tiens, encore une. Je suis pas sûr que ça va encore se montrer, de toute façon. Pour être honnête avec vous. Yes. Oh là là, c'est bon, ça, bébé, ouais. Oh là là, bah attendez, mais il y a trop de trucs. Moi, c'est terrible. Là, tout ce qui se passe, les gars, vous avez un épisode spécial. One again, quoi.
Ah oui, d'accord. Ça, ça va partir en couille, je sais. Ok, on va descendre par ici. On va ramasser tout ceci. Clairement, à pas négliger. Petite mission de pistolet en plus. J'étais pas prêt. C'est bon, ça. Petite mission de TMP. Bon, que vous dire que, mis à part que tout va bien pour l'instant, et qu'on s'en sort finalement très très bien aussi, c'est plutôt cool. Hop, et en plus, ils arrivent à me rassasier niveau munitions. Enfin, me rassasier, c'est vite dit. Yes, 15, 30 balles d'un coup, c'est bon, ça. Ok, on va activer le bouton. Normalement, qui va allonger la passerelle. On part sur des boutons, c'est ça? Si j'ai bien compris. Non, je suis déjà passé par là. Je me suis perdu, qu'est-ce qui se passe? Ici, il n'y a rien. Très bien. Qu'il en soit ainsi. Ici, il y a quelque chose, je prends. Ok. Ici, il y a un autre bouton. Ok. Un gros coffre. Ma foi. Et donc, pour aller à ce gros... Oh non, là, vous êtes chiant. Je vois pas où ils sont, là. Je ne vois pas où ils sont. Ah d'accord, vous allez faire ça à chaque fois en fait, vous planquez, ok. Bah écoutez, je vais prendre le snipe et puis dès que ça ressort, je vais voir comment on va doser ça. D'accord, ils font à chaque fois un petit effet de surprise, quoi, un petit plaisir. Fondant croquant, comme ça. Bon, on va activer ce bouton, hein, évidemment. Bah oui, pas trop le choix. Waouh. D'accord. Et ils sont où là? Et ils sont où? C'est là le tableau, c'est ce tableau là, la con là, non? Les gars, je comprends pas. Ouais. J'ai mal. Okay. Très bien. On se casse. Ouais, réellement, j'ai pas trop compris, d'accord. Je me fais grandement agresser un petit peu pour rien. Bon, enfin, écoutez, pourquoi pas. Ok, on peut sauvegarder, on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et vous l'avez vu, tout ça, là-haut, là. Ça, c'est bon, ça, faudra pas l'oublier. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous fais des bisous. Et c'est dans ce couloir qu'a été enregistré, me semble-t-il, la toute première bêta du jeu avec un fantôme qui nous suivait. Sauf que là, il n'y a pas de fantôme, ils ont fait machine arrière, ils ont refait le jeu après. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.